venue à Agen dans le cadre du Parc France Rugby Experience, donc qu'on active depuis le début de la saison un peu partout en France. L'idée, c'était vraiment d'initier les jeunes et les plus jeunes au rugby. On a initié environ 300 jeunes sur deux jours. Je pense qu'ils sont ressortis avec de belles valeurs de notre sport, en espérant qu'ils puissent s'orienter vers nos clubs de rugby dans les prochains mois ou les prochaines saisons. Allez, t'es parti ma grande. Vas-y mon grand, vas-y. T'as le ballon, vas-y, à la chaîne. Voilà, très bien. Parfait. Vous placez correctement, vous soufflez un bon coup. Et je finis dans la cible. On a fait des dessins pour les joueurs. On a mis aller les bleus, qu'ils sont les meilleurs, tout ça. Là, une dame elle nous a dit que c'était pour mettre dans les vestiaires des joueurs. Quand on a la chance d'avoir la FFR dans notre ville, on n'a pas hésité une seconde quand la mairie d'Agen nous a proposé effectivement de participer à ces ateliers. Et je pense qu'on est tous ravis, les enseignants mais surtout les enfants de la journée. Est-ce que ça vous a plu ? C'est violent, ça me donne des petites palpitations. Mais n'importe quoi, le rugby change forme de bonhomme. Pour la première partie, donc j'étais au théâtre et on a pu découvrir un peu différents points sur lesquels on n'aborde pas forcément car ils sont peut-être tabous pour les gens. Donc comme l'homophobie, le racisme, les problèmes au sport par rapport aux filles et garçons. Enfin, c'est très intéressant et on a pu pas mal débattre aussi. Et pour la deuxième partie, donc le rugby. On a pu avoir de la cohésion de groupe, voir l'esprit d'équipe. Donc c'était aussi très, très marrant de voir tout le monde se toucher, courir, rattraper le ballon. Et puis on a pu faire de nouvelles rencontres de différentes classes, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant. Voilà. La Fédération Française de Rugby vous a préparé un maillot dédicacé. Voilà, c'est une petite surprise. C'est le maillot dédicacé de l'équipe de France U20. Une première pour Armandie, c'est une première parce que match international, donc Armandie, on le sent, rentre dans le club très fermé des stades qui peuvent accueillir des matchs internationaux, et puis c'est une première parce que c'est à guichet fermé, on est à 10 000 places, et 10 000 places, il y avait beaucoup de gens qui se disaient mais pourquoi on fait 10 000 places, et bien voilà, la réponse est ce soir. Le nouveau stade, j'ai le petit qui joue en Goderman au SUA, donc j'ai vu quand même pas mal de matchs du SUA. Fabuleux, on voit que d'abord les installations sont superbes, elles sont hyper fonctionnelles, tout ce public, cet engouement derrière nos bleuets, et puis ce match plutôt réussi, donc voilà, on va pas se plaindre, on est très heureux ce soir. C'était pas particulier, c'était magique de revenir à Normandie, de jouer avec l'équipe de France des U20. Le dénouement du match, l'atmosphère, l'ambiance dans cette enceinte qui est magnifique aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Déjà une ambiance incroyable, déjà de jouer à Normandie, c'était vraiment incroyable vu le monde qu'il y avait. Et vraiment, ça nous a donné énormément de force pour ce match. Et du coup, ouais, c'était vraiment énorme. Beaucoup d'excitation, un peu de pression parce que c'est chez moi, enfin, c'est le club dans lequel je joue, du coup, voilà. Mais ça va, j'ai bien su le gérer et puis... On a eu une belle victoire, du coup c'est parfait.